Écoutez Koé, c'est bien, le voir, c'est mieux. Voici le tu préfères. Est-ce que je peux sortir du studio? Non, pourquoi, parce que ça Julie te concerne un petit peu. Je n'assume pas du tout. Je vais te donner plusieurs situations et tu me diras si tu préfères faire ce que je vais te proposer ou, puisque ça n'est plus un secret, vous avez des jeunes, il fut un temps, là. Ou te retaper Julie. D'accord. D'accord. Mais est-ce que je me la retape ou pas quand même? Elle est open de toute façon. Tu la connais, elle a jamais été bien fermée. Mais ça va pas. Attention, s'il y a Cerruti qui est sur le coup déjà. Et réciproquement. Et un coup d'avance. Julie n'est pas une fille facile. Ah non. Merci Franck. Non, bah non, mais attends. Tu as galéré. Non. Non, mais. Un ou deux textos. Il a fallu quoi? Il a fallu 5 minutes. Il a fallu quoi? Un petit 15 heures, tout compris. Non, je vais pas donner mon numéro de téléphone tout de suite. Non. Elle est pas ce que j'avais comme l'iPad. Tactile et convivial. Tactile et convivial. Toujours pareil. Zip, elle change de position. Alors, attention, voici, Franck, concentration. Est-ce que tu préfères manger un petit piment ou te retaper Julie? Oh, bah, me retaper Julie. Ah bon? Ah oui. Arrête, on dirait que c'est mal. Mais je te rappelle que tu es marié. Oui, maintenant, attention. Oui, mais ma femme est en Angleterre. Elle n'écoute pas du tout cette émission aujourd'hui. T'en es sûr? Ah, d'accord. Bah oui. C'est quoi, on avait le piment? Tu préfères gifler Pietre ou te retaper Julie? Non, taper Julie. Oh, tu peux gifler Pietre. C'est pas non, c'est marrant. Dis des conneries. Je suis d'accord. Mais t'es marié. Enlève ton casque, enlève ton casque. Bah, rien à voir, justement. C'est tout ce que j'avais. Elle vient de réécouter. Elle vient de réécouter l'émission. Enlève pas ton casque, je vais le faire de front. Allez, vas-y, allez. Allez, fais-toi plaisir, Franck. Vas-y, Franck, vas-y. C'est un cascadeur, il a l'habitude. Vas-y, vas-y. Une vraie. Allez, en vrai, il a l'habitude, t'inquiète. Franck. Je t'aime bien. Franck. Oui, mais moi, je t'aime pas. Allez, Franck. Oh non. Non, je vais te montrer. Non, je vais te montrer. Il va le faire. Elle a peur dans ses yeux. Allez, dis-toi, t'es un bonhomme. Tu viens de faire ça, je comprends parce que t'es un mec sympa, on se connaît depuis des années. Ce que t'as fait. Non, enlève ta main s'il te plaît. C'est pour le. Ce que tu as fait là, ce qu'a fait Franck, il a voulu te faire quoi, il a fait comme ça. Mais Julie va te montrer, tu vois, parce que ce jeu concerne un petit peu Julie. Regarde Julie comment elle fait. C'est la pire, Julie. Julie, elle se pose pas de questions. La bague, Julie, la bague. Julie, fais comme tu fais avec les stagiaires. 3, 2, 1, go. Voilà. C'est ça, Franck. Tu vois, c'est ce. C'est machin. C'est pour tout ce que t'as fait, mec. C'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il y a, Pietre? Il n'y a plus d'œil. Non, c'est normal. Ce qui est extraordinaire. Et j'entends plus de l'œil gauche. Elle prend bien la main, elle pose la main avant. J'adore faire ça. Et en prendre. Bon, attention, est-ce que tu préfères donner à manger des feuilles d'arbre à Jérémy ou te retaper Julie? Et parce que je peux te dire que les feuilles d'arbre, ça vaut le coup d'être allé chercher dans la rue. Oui, s'il te plaît, par terre. Il y a du Krebs du 16e qui a du 17e. On recouche avec Julie, c'est sympa. Et puis Julie, elle a pris du cul un peu. J'ai l'impression qu'à tout, je préférerais Julie, mais pour rigoler quand même. On va manger un petit peu de feuilles. C'est horrible. Tiens, vas-y. Mais elles sont vraiment. Mais non, mais ils se mettent par terre, les amis. Il y a Ebola dessus, mec. Il y a encore un petit peu des chiens pour pisser dessus. Ouais, non. Certainement. Il est hypochondriaque. Les chiens du 16e, ils font pas dans la rue. Oui, ils font aux toilettes. Il a chié dessus, tiens. Vas-y, allez, Jérémy. Allez, Big Mac de feuilles. Oh, le feu. Ah là, mec. C'est un McFeuille. Ne faites pas ça chez vous, c'est ta cascade. Faites-toi un millefeuille, Jérémy. Tu te moques de Jeff quand il fait pas les trucs, tu le traites. Comment tu fais un millefeuille? Tu as vu? Arrête, il mange ça d'habitude. Regarde, ça va te purifier, mec. Mets de la mayo dessus. Franck, est-ce que tu préfères donner à manger du Captain Iglo pas décongelé à Marion? Ah non. Ou te retaper Julie? Ah non, Franck. J'ai les dents fragiles. Ah bah vas-y, oui, goûte, allez. Ah donc vas-y. Pas de pitié quoi. Non, pas de pitié. C'est comme si tu prenais un Mr. Freeze, c'est le Mr. Freeze Igloo. Non, mais déjà j'aime pas ça. Tu fais pas comme Jérémy, hein. Tu nous mets bien dans la bouche. C'est dur, hein. Non, je l'ai fait, il a décongelé. Oh, ça va. Ça a pas l'air si mal. Il a décongelé. Ouais, c'est sympa. Ah, c'est du poisson dégueulasse, arrêtez. C'est dégueulasse, mange-le. Si vous voulez. Bah j'en ai d'autres, Franck, si tu veux goûter, je t'en prie. Moi je veux bien goûter, moi. Vas-y, c'est. Ça manque un peu de micro-ondes. Normalement, il faut l'enrouler d'une feuille. Il y a un peu d'eau quand on a fait. Ah, c'est vrai que tu peux l'enrouler avec une feuille, ouais. Franck, est-ce que tu préfères
arracher un poil de nez de guéguette à la pince à épiler. N'en ai pas. Ou te retaper Julie. Oh non, retaper Julie. Non, là c'est trop crade. Ah. Merci. C'est une blague. Putain. Ouais, ça sort. Non, trop bien, Julie, crade de se taper Julie, non. Mais merci. C'est enfin, sa dernière question, Franck, est-ce que tu préfères te couper la teub ou te retaper Julie? Il hésite. Il hésite. On a le ciseau. C'est horrible. Faut en couper combien? Je te laisse choisir, c'est la tienne. Ça. Un bon tiers. Si c'est la moitié, il en restera toujours 12 cm. C'est toujours bien. Non, je préfère me retaper Julie. C'est un très bon souvenir, tu sais, Julie. Mais me retaper, c'est un peu vulgaire. Non, mais non. Oui, c'était ça. Tu as raison. T'es mariée, toi, non? Oui. T'as quelqu'un dans ta vie? Mm-hmm. Elle a un bébé, elle a un bébé. Oui, je sais qu'elle a un bébé. Mais pour elle, plus être. C'est pas une preuve d'être avec quelqu'un, d'avoir un bébé. Absolument. C'est vrai. Mais heureusement. Franck, il en a deux. C'est pas une preuve. On peut être libre. On peut être libre. On peut être ouvert. Avec sa femme en Angleterre. On peut être disponible. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Bien sûr. C'était un bon souvenir parce qu'on en a beaucoup parlé. Arrêtez. Non, pas ta femme. On terminera là-dessus et sur ce moment romantique. Est-ce que tu peux mettre une petite musique? Non, mais j'aime ma femme, hein, entendu. Mais oui, oui. Avant de rappeler que Franck, vous le verrez. C'est une ancienne énergie d'ailleurs. Et partout. Oui, la en plus, c'est vrai. Hein. Est-ce que tu peux nous terminer cette émission par un peu de romantisme? C'était comment, Julie? Julie, c'était. C'était. Cher. C'était cher, oui, c'était très très cher. T'es con, toi. Julie, c'était. Il s'en souvient pas, en fait. C'était doux. Des doigts. C'était il y a longtemps. Hein. Si, non, mais bien sûr. Mais c'était doux, c'était acharné. Attendez, on était encore en euros. C'était doux. Des doigts sur mes lèvres. Des mots doux. Oh. Des gargétures. Elle a bien changé. Des fermetures. J'avais des 10 ans moins, mec, j'en avais pas. Des fermetures qui descendent. Des. Ah oh, oui. Ah oh, oui, encore. Franck. Oui. Je bande. Ah.